Monsieur Enziam Boudi. Enziam Boudi. Bon, très bien. Asseyez-vous. Bon, vous êtes assis. J'ai votre CV sous les yeux. On n'en aura pas pour longtemps, je vous rassure, peut-être un petit quart d'heure. Vous voulez savoir. Oui. Si je me suis permis de solliciter un poste dans votre entreprise, c'est non seulement par goût de l'aventure et du dépassement de soi, que par la grande qualité de rendement. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver ? Soit le double de vos concurrents que je ne citerai pas car ils ne le méritent vraiment pas. Vous écoutez quoi là ? Du hip-hop, c'est ça ? Je vous trouve respectable, monsieur. Mon fils Jérémy, il écoute que ça à longueur de journée. Boum boum, yo yo. Quoi ? Non, c'est bien. Tu me dis que tu connais le hip-hop, toi ? Vous avez l'air d'être un homme intelligent. Tu connais rien au hip-hop. Toi et le petit Jérémy, vous connaissez rien au hip-hop. Un animal culturel, en somme. Perspicace et surtout sensible. Si tu te lèves hip-hop, tu dois te recoucher hip-hop. Tu dois manger hip-hop. Tu grailles hip-hop. Je vais donc jouer carte sur table avec vous, monsieur. Je suis un noir. Même mes pompes, elles sont hip-hop. Rassurez-moi, vous n'avez aucun problème avec les noirs. Avec les noirs, non. Avec les noirs, non. Un adorable bambin, tout nu, d'Afrique. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez Kirikou ? Tu vois, c'est ça hip-hop, mon frère. Tu connais rien au hip-hop. Bravo, bon, bah. Bon bah pour le poste. Et on va. Oui, ça vient. T'es pas hip-hop, moi je suis hip-hop. Je suis the hip-hop. J'ai été envoyé sur Terre pour représenter le hip-hop, toi t'es rien. Avec ma femme Mireille, on attend la sortie du DVD.